Y aura-t-il beaucoup de Français dans l'isoloir ce dimanche? La réponse est incertaine pour ce premier tour des municipales en pleine crise du coronavirus. Le scrutin a été maintenu malgré des critiques de l'opposition, notamment à droite. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h avec à chaque fois du gel hydroalcoolique et des consignes de prévention. Le Premier ministre a tenu à faire une mise au point samedi soir. Et nous avons vu trop de gens dans les cafés, dans les restaurants. Cela me réjouirait en temps normal, parce que c'est la France que nous aimons tous. Mais pour quelques semaines, ce n'est pas ce que nous devons faire. La France est passée samedi au stade 3 de l'épidémie. Les cafés et restaurants seront désormais fermés, ainsi que les discothèques et les cinémas. Samedi soir pourtant, les commerces parisiens étaient encore très achalandés. Le nombre de cas a doublé en 3 jours. On compte désormais plus de 4500 personnes contaminées.